ça s'appelle Degré 8, un travail qui fait référence à Lovecraft, en fait. Ou Edgar Poe, enfin tout cet univers un petit peu 19e et du 20e, dans un univers un peu romantique et surtout fantastique, où en fait le concept il est là, de degré 8, plus on accède à la connaissance, plus on a des chances de devenir taré. C'est très compréhensible, oui. Et du coup, le clin d'œil à Lovecraft, c'est via en fait des rituels qui sont des rencontres et des rituels ésotériques autour de la magie noire, machin, tu réinvoques en fait des extraterrestres qui seraient là depuis la nuit des temps, enfouis au fin fond de la mer, qu'on appelle les grands anciens et qui seraient des énormes monstres qui font. C'est Cthulhu. C'est Cthulhu, oui, en référence à Cthulhu. C'est ça, oui. Et donc, tu as tout un tas de sectes qui se mettent dans le monde à essayer de réinvoquer ces grands anciens, etc. Et donc, c'est tout cet univers où, en fait, je veux plus. Alors, pas dans l'originalité de ce qui avait été écrit, qui était en un style très pulp, assez gore, on va dire. J'ai plus envie de choses où on va plutôt imaginer et laisser ses propres fantasmes et ses propres peurs créer les personnes, enfin les monstres, qu'on verra que partiellement et pas. Je ne suis pas très très. Là en l'occurrence, je vais montrer quelques-uns, mais c'est pour l'instant je cherche des écritures, etc. Mm. Et donc la suite de ce travail, ça sera exposé à Lerme à la fin du mois à la galerie. Mais moi je me demande quelle est la relation entre ce graphisme-là qui pour moi est complètement BD, on l'appelle BD, illustration. C'est un ancrage de ce qui rend en couleur. Ben ça, c'était l'illustration à la base. Bonjour, je suis Joël Devienne. Je suis artiste, entre parenthèses, depuis toujours, puisque je suis né avec un crayon dans la main, donc facile. Et puis, ce qui m'amène ici, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de rencontre, l'envie de voir autre chose que ce que je fais. Donc, ça fait plaisir de rencontrer des gens d'univers et d'horizons complètement différents les uns des autres. Moi, je mets sur le papier les états d'âme, les états d'esprit, mes états de cœur, les envies et ainsi de suite. Voilà, c'est tout. Alors, le thème ici, là, le thème, c'est Eros. Ah oui. Un très joli thème, très agréable à travailler, parce qu'il faut faire une scission quand même entre ce qui est érotique et ce qui est porno, donc il faut aller plus à l'avant. Et là, c'est un thème qui touche les sentiments, qui touche l'amour, qui touche énormément de choses, la nature, donc c'est très bien. Pour moi, c'est vraiment un très bon thème. Donc, on récupère des œuvres d'art et puis des états d'esprit qui ont fait leur chemin, qui sont arrivés à nous, et plus les nôtres. Et donc, c'est un mélange, c'est un amalgame de tous les états d'esprit qui se sont croisés en cours de route pour donner des choses érotiques, mais vraiment magnifiques, sans que ça blesse les gens. J'irais même plus loin. Moi, je dirais que c'est né de la Genèse et ça remonte encore plus loin. Parce que si on lit la Genèse, on va s'apercevoir que là aussi, il y a de l'érotisme, il y a des choses très intéressantes, il y a des choses qui ont dérangé, comme Sodome et Gomorre, donc qui ont été détruites, et on arrive à trouver des choses vraiment très particulières et qui sont vraiment très très belles, et ça nous apprend à vivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué des expos comme ça ? Oh, assez rarement, mais là je connais une personne qui est d'ici, donc c'est avec plaisir que je passe regarder les œuvres.
puis le thème là de l'expo, vous en pensez quoi? Pourquoi pas, il y a des choses que j'aime, d'autres moins. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour. Alors, moi je m'appelle Sonia Bischoff et je suis porteuse de projet sur cette exposition pour l'association Un train peut en cacher un autre de Casal. Et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que j'aime beaucoup le partage et rencontrer des nouveaux artistes et surtout la dynamique du collectif. Voilà, donc j'adore les expos collectives et c'est important pour moi d'en proposer régulièrement. J'aimerais d'ailleurs que cet événement devienne un événementiel et qu'on le refasse tous les ans avec toutes les personnes motivées en proposant un thème qu'on suit ou qu'on ne suit pas, ça sera de toute façon au choix. Voilà, mais j'ai envie de soutenir cette dynamique qui est importante pour moi à plein de niveaux différents. Donc évidemment, je participe, je propose des modelages. Voilà. Donc le thème de ces deux journées, tu peux nous en parler un peu d'où il t'est venu ou... Alors ce thème, c'est le thème d'Eros. Il m'est venu suite à un thème qui avait été proposé par Alexandra sur le désir. Et je me suis dit, voilà une super idée, le désir. Où est-ce qu'il est passé, ce désir, dans la vie? Dans la mienne, déjà. Et je me suis dit, on va pousser un peu sur quelque chose de plus précis, qui était Eros. Pour moi, vraiment lié au désir et donc à la vie. Voilà, à l'énergie vitale. Et puis, je trouve ce thème un peu osé. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à la tentative de l'environnement de nous limiter de plus en plus. Et j'avais envie de proposer un espace de liberté. Et je suis très engagée pour la liberté de chacun. Donc c'est aussi un petit clin d'œil ou un pied de nez à tous ceux qui peuvent être tentés de limiter les autres dans leur créativité. Voilà. C'est important dans notre société quand même très policée de recréer des espaces de liberté d'expression. C'est ça, de liberté d'expression, parce que je pense qu'il y a une tentative de tuer en tout cas le libre arbitre, l'autonomie de pensée et la créativité. Voilà, on est dans l'uniformisation. C'est ça, mais en tout cas pour moi, que ce soit en parole mais aussi au niveau des actes, je suis quelqu'un qui est très engagé, voilà, et j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à lutter contre, je vais dire un mot un peu fort, contre les tentatives de meurtre psychologique. Voilà. Et pour moi, ramener des sujets entre guillemets un peu tabous, ça réveille la pensée, l'autonomie, le désir. Voilà. Pour moi, c'est réveiller et soutenir. Et là, tu n'as pas eu de soucis pour trouver, j'allais dire, des candidats, des artistes. On voit qu'il y a des choses très variées qui sont exposées aujourd'hui. Alors tout à fait, c'était ma crainte au départ en proposant ce thème-là. Et finalement, il y a plus d'artistes que l'année dernière qui étaient où il n'y avait pas de thème. Donc, l'année prochaine, on reproposera un thème aussi. Et on va essayer de continuer à développer cet événement ici en espérant que plein de gens vont continuer à adhérer. Alors là, il y a un travail devant toi. Oui. Tu peux nous en dire deux mots? Alors, je travaille la terre, l'argile. Donc là, c'est du grès. Et je suis en train de faire une patine à la cire d'abeille avec des pigments naturels, ou des pigments purs en tout cas. Et c'est tout un jeu de superposition de couleurs. J'aime beaucoup ce travail parce que ça prend du temps. Donc on est en relation longtemps avec sa création et ça je trouve ça très intéressant de prendre le temps de vibrer avec. Voilà. Après le thème Eros, celle-ci en tout cas
Je voulais qu'elle affirme sa posture. Voilà, elle est sûre d'elle, cette femme. Et c'était important de faire dans l'exposition pour moi une femme sûre d'elle. Ce que je trouve pas simple dans la vie, d'être sûre de soi. Donc là, j'ai réussi à en faire une sûre d'elle. Donc ça me renvoie aussi des choses positives aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à l'association. Bonjour, Gaston Castelin, je suis artiste à Casals et donc j'ai répondu, je suis adhérent au train et donc j'ai répondu comme l'année dernière, la en vadrouille à l'appel de notre amie Sonia. Tu peux nous en dire plus, le train, ce que c'est ? Le train, c'est une association d'artistes du coin, mais pas que. Et donc le but de l'association, c'est de promouvoir l'art contemporain en milieu rural. Donc nous sommes une quinzaine d'artistes adhérents et puis et voilà, et en fait on chacun peut porter des projets comme Sonia ici et moi au mois de septembre au Tympan pour une rétrospective sur l'association justement. Chacun. Un train peut en cacher un autre. Chacun dans son domaine avec des expressions différentes. C'est ça, exactement. Tu tiens un fil rouge à ta main gauche, c'est quoi ? Le fil rouge, c'est le lien. C'est, j'ai découvert que qu'on trouvait ce fil un peu partout dans certaines œuvres. Voilà, un lien. Et donc, du coup, je suivais le lien pour aller jusque l'univers qui est le mien. Enfin, en tout cas, la proposition que je fais pour cette année. Voilà, donc c'est la deuxième année que je réponds à la renvadrouille et à l'invitation de Sonia avec... cette année, le thème Eros, et si Eros s'invitait. Voilà. Thème riche, s'il en est. Tout à fait. Et moi, j'ai fait le choix de partir donc de quelque chose qui était l'existant de l'année dernière. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai un petit peu de mal avec l'idée de la commande et devoir prévoir quelque chose par rapport à un thème et de réfléchir et à l'avance et tout ça. Voilà. J'aime bien l'improvisation et le fait de faire dans l'instant. Donc le résultat, c'est cette installation à partir de l'arbre de la connaissance, donc qui était dans le projet de l'année dernière. Donc je travaille l'or, la couleur, cette couleur bleue intense. Et voilà, et là, eh bien, l'énergie des roses s'est passée à travers cet arbre et puis surgit par, voilà, on pourrait imaginer Eros qui s'est posé sur cette branche là-haut, comme on peut le voir. Et de cette éjaculation cosmique, dirais-je, surgit, eh bien, la vie, la Terre répond, l'énergie répond. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que les gens partent avec des questions et pas avec des réponses. Et ici, on questionne le désir, la sexualité, la procréation, le vivant, la vie, enfin voilà, l'énergie de la réponse entre la Terre et cette énergie, voilà. Donc, qu'est l'énergie vitale de la création, représentée par toute cette symbolique qui est derrière. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Alors, je suis Alexandra, membre fondatrice de l'association il y a 15 ans. Donc on s'est dit à trois, parce que ça suffit d'être trois pour une asso, on se remonte les manches et on le fait. Et puis petit à petit, on a présenté des artistes les uns aux autres, on s'est échangé nos idées, nos envies, nos joies, nos difficultés et tout ça. Et puis ça a donné un train peut en cacher un autre 15 ans après. Voilà. Ce qu'on aime dans l'association, c'est pouvoir présenter de l'art au quotidien. Et l'accès à l'art pour tous est hyper important pour nous.
Donc là, tout le monde peut venir, c'est gratuit, on peut rencontrer des artistes. Tu peux nous parler un petit peu justement de ta démarche, de ton travail ? Alors, c'est des travaux que j'ai faits il y a un certain temps. Ce sont des frottages d'écorce de platane. Et donc, ce qui m'a intéressé, je me suis donné à moi-même des contraintes, c'est les quatre saisons, les cinq éléments, les sept péchés capitaux. Et à ce titre, parce qu'il y en a après les 12 mercenaires et ainsi de suite, mais là-dedans, ce qui m'a intéressé pour l'expo dont le thème est « Et si Eros s'invitait », de retrouver ce que j'avais fait à propos de la luxure. Parce qu'au moment où tu travailles sur les péchés capitaux, ce qui est évident, c'est que tu te dis « Attends, c'est quoi un péché ?» Hein, ça vient d'où cette histoire? Et avec ces frottages d'écorce de platane, je me suis vraiment inspirée des iris que je trouve très 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 féminins, ce qui a donné celui-ci. Voilà. Et la suite, bon, ça c'est la colère. Et puis il y a des tas de péchés comme la gourmandise par exemple, ou la paresse. Et on prend tous les péchés, et je trouve que chaque péché a beaucoup de bon. Voilà. Donc la luxure a aussi du bon. C'est ce que je voulais dire sur mon travail. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie Pisano. Et moi, mon médium préféré, c'est la photographie. Pour l'expo d'aujourd'hui, oui. C'est des photos que tu as fait précisément pour le thème de l'expo, ou bien tu as sélectionné dans ton travail ce qui pouvait évoquer le thème d'Eros? Alors, tout a commencé il y a à peu près un an, où j'avais déjà exposé ici, qui tourne toujours autour de la nature et de la matière du bois. Et à l'issue de ça, Sonia aurait aimé qu'on travaille sur Eros. Et donc, bon, moi j'ai commencé un peu à réfléchir à ce moment-là, donc il y a un an. Voilà, je suis partie de ce constat-là, on va dire, en me disant, tiens, il y a peut-être quelque chose à approfondir. Et ensuite, les autres images sont arrivées au fil de mes promenades, au fil de mes ressentis dans la nature, en fait. Parce que la plupart, c'est fait en bas de chez moi. La lèvre, là-haut, c'est ni plus ni moins qu'une lèvre qu'il y a, un petit nœud qu'il y a... là, sur le mur, derrière. Donc, voilà, c'est des choses après qui me sont venues avec les fruits aussi, qui m'ont pas mal inspiré. On pourrait dire que tu as l'œil tout le temps en alerte, presque, enfin, à l'éveil de capter comme ça des Alors, choses. Je ne sais pas si c'est un éveil ou si, pour moi, c'est naturel. Je vois quelque chose, ça m'inspire quelque chose, ça me dit quelque chose. Et du coup, oui, je le photographie. Et après, je passe sur l'ordinateur pour rectifier des contrastes, peut-être aussi rajouter une lumière qui me manquait. Avec le noir et blanc, j'ai l'impression que justement, c'est plus le travail sur la lumière, quoi, oui. qui est intéressant. Oui, tout à fait, puisqu'on marche sur, on travaille sur les contrastes. Ouais. C'est comme quand on va au labo en noir et blanc, où on peut modeler un gris, on peut faire monter une densité dans un coin d'une image, pardon, etc. Et là, c'est pareil, mais avec un ordinateur. Tu as de la photo depuis longtemps ? J'en ai toujours fait, je pense. Donc on est dans les années, fin des années 80. Donc. Et après, après j'ai fait le cursus classique, hein, CAP photo. À l'époque, il n'y avait que deux écoles publiques. Il y en avait une à Tours, une à Orthez. Donc j'ai pris Orthez, et etc. Et après j'ai continué. Je pense que j'en ai toujours fait, ouais. Plus ou moins. Alors on se déplace devant une de tes photos qui, moi, m'impressionne beaucoup. Ici, là. Est-ce que tu peux nous dire deux mots? Ça, c'était... J'étais en balade en Dordogne et en me promenant dans un coin du chemin, un peu en retrait, j'ai trouvé ces espèces de bois là qui s'entrelaçaient, pour moi c'était de l'entrelac, parce que ça, elle s'appelle entrelacement, entrelacé, entremêlé, etc., etc. Et donc je l'ai photographié dans son contexte. Après le tirage, c'est un tirage assez gris, vraiment dans les teintes très grises, très douces. Elle n'est presque pas retouchée. Ah non, presque pas, non. Voilà, il y a juste les blancs là qui sont... Au départ, visuellement, ça me gênait un peu parce que
Parce que d'abord, c'est l'œil du photographe, quand c'est cramé, ça veut dire que c'est surexposé, et donc on perd tous les détails. Mais de fait, comme il y avait beaucoup de matière tout autour, ça a compensé un petit peu, et ça donne ce petit relief. Enfin, bon, après, je ne sais pas, je l'explique comme ça. Après, c'est vrai que c'est des formes, hein. Vraiment, moi, je me suis arrêtée sur la forme. Mais moi, en tant que photographe, j'aurais bien aimé savoir pourquoi tu as choisi cette image-là, cet entrelacement. Bah dans toutes tes super belles photos, c'est celle qui a retenu mon attention. Moi, je vois là, dans ton image, je vois quelque chose de Dürer, les gravures de Dürer. Je suis un petit peu, je ne vais pas dire en train de travailler dessus, mais disons que... Ça t'inspire, Ouais, alors déjà, je me suis demandé ma première question, et je t'ai demandé hier, il me semblait qu'il y avait comme une incrustation en transparence de modèle, parce que vraiment le dessin de la cuisse, de la fesse, de la cuisse, du mollet, là, moi je me disais, il y a des personnages qui ont été doucement, en surimpression ou en transparence, et tu me dis que tout ça est naturel. Donc il y a quelque chose de magique dans cette image, et quand je ne mets pas mes lunettes de myope, je vois comme une gravure justement ancienne sur la gauche, alors que bon, de près on voit bien que c'est la végétation. Cette image est d'une richesse incroyable pour moi, je la trouve bouleversante, en vrai. C'est vraiment, de tout ton travail, il y a quelque chose effectivement qui se dégage, qui est dans le thème, il y a des choses, voilà, il y a des corps de femmes, il y a de l'humain dans de la végétation, c'est absolument prodigieux, quoi. Et alors celle-là particulièrement, parce que là, bah, je ne savais pas qu'elle s'appelait entrelacement, mais là je vois même une tête, il y a un regard, il y a mille choses à voir dedans, et je trouve ça vraiment superbe. Merci pour ton travail. Marie-Christine Chaumier, qui a pour nom d'artiste Renuka. Dans cette année, j'ai pris comme thème « Regard, miroir de l'âme ». Et ce thème, il est venu à la suite du dessin de Walter Benjamin. Quand je l'ai dessiné, j'ai senti beaucoup d'émotions en dessinant son regard. Et j'ai eu envie de le connaître mieux. C'est Walter Benjamin. J'ai vu un texte de Krishnamurti, j'ai fait le portrait de Krishnamurti, qui disait « L'art de voir est la seule vérité ». Donc, entre ces deux choses-là, j'ai décidé de faire une série de portraits. Qui est en dessin, surtout l'art de voir, c'est vraiment essentiel. Et donc, j'ai donc fait une série de portraits de regards un peu touchants. Et chaque portrait que je fais a un peu une histoire, que ce soit une jeune fille qu'on a rencontrée dans un bidonville à Bénarès, une jeune mariée que j'ai rencontrée, j'ai assisté à son mariage et qui ne connaissait pas son époux. Bon, après, il y a d'autres regards, le regard animal aussi, comme quoi un chimpanzé peut avoir un regard tout aussi touchant qu'un humain. Ben, mon rapport à l'art, pour moi, il faut qu'il ait du sens. C'est pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai envie de créer quelque chose, ça doit représenter quelque chose soit d'émotionnel, soit quelque chose qui a du sens politique. Et pour ça, j'ai ce tableau auquel je tiens beaucoup, que j'ai créé, qui est la suite d'une histoire d'une amie qui était dans ces pays-là et qui a vécu la situation de se retrouver, de vivre cachée, et qui a besoin de se libérer. Et c'est pour ça que c'est la femme rouge qui se révolte. Pour moi, l'art n'a pas seulement un but esthétique, non. Ça a aussi un but d'interpellation, soit émotionnel, soit, je l'ai dit, politique, ou au niveau des valeurs, ou au niveau de... Il doit représenter quelque chose. On a la chance d'être dans un espace de liberté, censé être dans un espace de liberté, du moins pour l'instant. Et donc, je pense qu'il faut en profiter en tant qu'artiste pour donner du sens à nos actions. Merci beaucoup.
Approche à ton cœur un morceau de chiffon rouge et une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Allons droit devant vers la lumière, en montrant le poing et en serrant les dents. Nous réveillerons la terre entière et demain au matin chanterons. Compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Oh yeah!